Ils arrivent peut-être pour le moment le plus important de l'émission, car c'est le moment où on prend de l'argent ou on n'en prend pas. On en prend, j'espère. Dans quelques secondes, le gong va résonner et là, tout sera fini. Alors, Sandrine, maintenant, au niveau des indices. Alors, moi, je voudrais qu'on récapitule sur les indices et que vous soyez bien sûr du mot-code que vous allez utiliser pour l'accès à la salle des trésors. Les indices étaient monnaie, pince, Rio de Janeiro. Je suis fatigué. Raffinerie. Jacques Ruffiaud. Et alors ça me fait penser à quoi? Peut-être roseau sucre. En début. Pourquoi sucre? Le premier. Raffinerie de sucre, pince à sucre. Rio, pain de sucre. Jacques Ruffiaud, on ne sait pas. Voilà, c'est le but. Peut-être celui qui est confiance. Donc vous êtes sûr? Pas de sacrifice? Non. D'accord? Non. C'est sûr, c'est un choix qui est définitif. C'est un choix définitif. C'est un risque. Sucre, il y a combien de mots? Deux lettres. 5. 5 lettres et vous êtes 6. Donc on a un boulet avec nous. Non. Vous savez qu'il faut vous mettre chacun sur une lettre. Donc il y en a un, si c'est sucre et que vous êtes bien d'accord, il y en a un qui se met en dehors. Sandrine, Patrice, le gong. Vas-y. C'est parti, je débloque la pendule. Je vous rappelle que vous avez eu 2,45 de plus. Attention, les tigres, entraînez s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Alors, qui va sur le S? S, U, D, R, E. Écoutez-moi bien, c'est important pour gagner du temps. Quand j'appelle ces lettres-là, vous levez la main. Pas de panique, ok? Vous me faufilez en dessous. C'est bon. Félindra, tournez-vous tous vers le trésor, la tête de tigre. Ramassez-les, Sandrine. Et pendant qu'ils s'activent autour des voyards, quelques mots, ils ont pratiquement tout trouvé, sauf monnaie, qui est l'unité monétaire de l'Équateur. Et Jacques Ruffiaud, pour ceux d'entre vous qui ne le connaisseraient pas, est un très bon réalisateur français dont le film le plus célèbre s'appelait Le Sucre, tout simplement. Mais le reste, c'était impeccable.